longue histoire, l'histoire de mon ministère a joué un rôle très, très, très important. Aujourd'hui, j'écris, je publie des livres. Mais c'est aussi grâce à cet homme qui m'a coaché à l'époque, qui m'a encouragé, qui m'a soutenu, qui a même accompagné mes premiers pas. Et il m'a même aidé à imprimer mon premier livre. Il a fait les déplacements jusqu'en Afrique du Sud pour qu'on les fasse. Donc voilà. Certaines choses sont importantes à dire. Merci Seigneur. Moi, il m'a été demandé de parler de l'éthique. L'éthique pastorale, l'éthique ministérielle. L'éthique est tellement abondante. Alors, j'étais en train de me poser la question moi-même. De quoi je dois parler? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois laisser? Alors, ce que je vais faire, c'est vous dire c'est quoi l'éthique. L'éthique, c'est quoi? Et pourquoi il faut connaître l'éthique, apprendre l'éthique? Et quelles sont les conséquences lorsqu'on n'a pas été bénéficiaire des enseignements sur l'éthique? Et dans l'entretemps, je vais faire allusion à quelques règles d'éthique et je crois que ça pourra aider. Excellent serviteur de Dieu, excellente servante de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, je pensais que vous étiez là, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est simplement l'ensemble des règles morales. L'éthique, c'est l'ensemble des règles morales qui s'imposent aux différentes activités liées au ministère pastoral. Quand je dis ministère pastoral ici, je parle de tous les ministères ecclésiastiques. L'éthique, c'est donc l'ensemble de toutes ces règles-là. Comment est-ce qu'il faut se comporter devant telle situation? Il y a une éthique pour les cultes, par exemple. Il y a toute une éthique autour du culte. Il y a une éthique lorsqu'il s'agit d'inviter des pasteurs, des serviteurs de Dieu, comme j'en ai eu les privilèges ce matin. Tel que je suis là, il y a toute une éthique pour recevoir les invités pastoraux. Il y a aussi une éthique pour savoir comment se comporter lorsqu'on est invité dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre église. Tel que je suis assis là, je suis soumis à des règles d'éthique. Mon hôte est soumis à des règles d'éthique. Il y a des règles d'éthique pour toutes choses. Il y a des règles d'éthique pour les offrandes. Comment gérer les finances de l'église? Où est-ce qu'on peut compter les offrandes? Devant qui on peut compter les offrandes de l'église? Après les cultes et les offrandes, rentre à la maison, ça va dans votre poche, ça va dans les sacs de votre femme, ou ça reste à l'église, comment ça se passe? Il y a des règles qui organisent toutes ces choses-là. Il y a des règles qui organisent les séparations, les départs et les démissions. Il y a des règles qui organisent cela. Et lorsque on fait les choses en dehors de ces règles-là, il se pose beaucoup de problèmes. Ça affaiblit l'Église. Ça enlève à l'Église son prestige. Donc, il y a une éthique pour chaque domaine ou pour chaque aspect de la vie de l'Église. Il y a une éthique pour la vie privée. Il y a une éthique pour la vie publique. Un homme de Dieu a deux vies. Il a une vie publique et il a une vie privée. Lorsqu'on mélange ces deux vies, ça produit une réaction, entre parenthèses, chimique très dangereuse. C'est une bombe et c'est ce qui a détruit beaucoup de ministères. Donc, si je dois me répéter, je dis que l'éthique, c'est l'ensemble de ces règles morales-là qui s'imposent aux différentes activités des ministères ecclésiastiques. Alors, pourquoi l'éthique? 1 Timothée chapitre 3, verset 15, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il lui donne des instructions et il lui explique que ces instructions que je te donne,
C'est pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire comment tu parles aux personnes âgées, comment tu traites avec les jeunes, comment dans l'église, il doit y avoir des règles, savoir comment se conduire. Et il en va de l'intérêt de l'église. Quand on veut que l'église prospère, on veut que l'église aille loin, on veut que la longévité accompagne les ministères, il faut respecter les règles d'éthique. Alors, lorsque on fait les ministères sans éthique, j'aimerais aller vers la fin et puis revenir. Lorsqu'on fait les ministères sans éthique, on subit beaucoup de problèmes. Beaucoup de dégâts. Un ministère que l'on fait sans éthique risque d'être bref. Brièveté du ministère. Très bref. Une retraite anticipée. Il y a beaucoup de gens qui ont servi dans cette ville et vous les connaissez, dans ce pays, vous les connaissez, qui ont, je dirais, arrêté les ministères. Ils sont presque en retraite aujourd'hui parce que simplement, ils n'ont pas respecté l'éthique. Il y en a qui ont arrêté les ministères à 50 ans, à 60 ans, alors qu'ils ont encore la vigueur, mais ils n'ont plus la réputation. Pourquoi ils n'ont plus la réputation? Pour simple raison d'éthique. Ils pouvaient avoir une longévité dans les ministères, mais leur ministère s'est arrêté. Donc l'éthique a une grande importance. Deuxième conséquence, ministère sans impact. Il y a des gens qui ont reçu des appels vrais, des appels authentiques, mais qui ont des ministères sans impact. Simplement parce qu'ils ne savent pas respecter des règles d'éthique. Vous voyez un pasteur, quand le culte est fini, il sort avec la foule, il se met là devant la porte, il pose la question, alors les scores c'est combien? Barcelone et l'autre là c'est quoi? Barça. Et Barça et Real. On lui dit non, pasteur, le score c'est 2-2. Ah bon? Ça s'est passé comment? Et les gars, ils n'ont gagné, ils n'ont gagné. Les commentaires commencent, les discussions commencent. C'est un débat et c'est le pasteur qui fait le débat là à la porte après avoir prêché l'évangile. Vous voulez avoir un ministère qui a de l'impact, votre ministère n'aura pas d'impact. Nous sommes des Africains, surtout nous les Africains, les Bantous. On ne fait pas confiance à tout. On fait confiance à ce qui est rare, à ce qui est mystérieux, à ce qui est entouré de mythes. Votre ministère n'est pas entouré de mythes parce que vous ne respectez pas les règles d'éthique. Et tout ça, c'est organisé par l'éthique ministérielle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est très important, mais connaître ces petites règles-là, c'est tomber dans ces versets de Cantique qui parle des petits renards. Ces petits renards qui rongent les vignes. Ça paraît des petites choses, mais ça ronge les vignes, ça détruit les vignes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je parlais des ministères sans impact, je parle aussi des ministères puissants, mais rattrapés par l'opprobre. Ce sont là des conséquences des ministères sans éthique. Ministères puissants, très puissants, mais rattrapés par l'opprobre. Lorsque votre ministère est rattrapé par l'opprobre, on vous oublie. Les Congolais vont vous oublier. Et ailleurs, dans le monde entier, dans certains pays, c'est encore plus violent qu'ici. Au Canada, aux États-Unis, on apprend que pasteur, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. On vous oublie. Ça peut être même les membres de la congrégation qui vous chassent de l'église. Donc on vous oublie malgré la puissance, malgré tout ce que vous avez eu comme expérience, malgré les témoignages, malgré les miracles, malgré tout ce qui s'est passé, on vous oublie, on vous met dans les oubliettes. Quatrième conséquence que je relève ici, succession des scandales. Lorsque vous faites un ministère sans éthique, vous allez vivre dans des scandales. Mais ces scandales-là, vous avez la bonne foi.
Mais vous ne savez pas comment on évite ces scandales. Votre problème, c'est vous n'avez pas d'éthique. Vous n'avez pas d'éthique ministérielle. Donc, succession des scandales et affaiblissement du ministère. Sixième, c'est la désacralisation du ministère. La désacralisation du ministère. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs éthiques dans plusieurs secteurs. Je vais essayer de les brosser rapidement. En tout cas, l'essentiel, ce dont on a besoin, de les brosser rapidement. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'églises qui ont connu des problèmes et leurs problèmes sont dus au fait des manques d'éthique, simplement les manques d'éthique, et leur ministère ont connu un problème. Un jour, j'étais en train d'enseigner, et un homme de Dieu que vous connaissez, mais que je ne vais pas citer, est entré dans la salle, et il m'a dit, quand j'ai fini, il m'a dit, Timothée, ce qui t'a dit, c'est que tu es un homme de Dieu. Ce qui t'a dit, c'est que tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui avait un ministère puissant, très puissant. C'est parmi les premières personnes qui ont réuni les gens au stade des martyrs. Si pas la première personne. C'est quelqu'un qui avait un ministère extraordinaire, merveilleux. Qui n'envierait pas ce ministère-là. Il y avait des miracles chaque jour dans les cultes. Chaque jour. Chaque jour. Et dans les offrandes, on lui donnait des véhicules. Il recevait des véhicules, j'ai dit presque tous les dimanches, comme offrande. Mais il me dit, ce qui te ébagé ma camboyo. L'éthique te protège. L'éthique te conserve. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'éthique te conserve. Quand on dit sans éthique, ça ne veut pas forcément dire péché. Quelqu'un peut ne pas vivre dans les péchés, mais il vit sans éthique. Vous voyez? Parmi les règles d'éthique, il y a des règles qui sont sociales. Tout simplement sociales. Qui n'ont pas d'incidence spirituelle tout de suite, mais qui dans les temps peuvent avoir des incidences spirituelles. Mais il y a aussi des règles qui sont spirituelles, qui ont un impact tout de suite, une incidence spirituelle tout de suite, comme l'adultère. L'adultère, ne pas faire l'adultère, c'est aussi une règle éthique, c'est une règle morale. Mais celle-là, elle a une incidence directe avec votre spiritualité. Même si les pasteurs de Kinshasa semblent négliger cela. Ça a une incidence avec votre spiritualité. Et cette incidence est directe, comme disait la servante de Dieu. C'est direct parce que ça touche à votre esprit. Ça touche à vous. La Bible dit, vous péchez contre votre propre corps. Et ne vous trompez pas. Les quinois ont l'habitude de dire, et ça que l'eau, et ça que l'eau. Quand on débranche les ventilateurs, ils continuent à tourner. Mais il va finir par s'arrêter. Il y a des choses quand on les fait, et vous savez, les locaux, on les a visibles été. Ce n'est pas visible. Mais dans la durée, les impacts deviendront visibles. J'ai toujours dit aux jeunes ministres, je leur ai toujours dit, faites attention. Dans les ministères, vous avez besoin de deux choses. Vous travaillez avec deux choses qui sont invisibles, qui sont spirituelles, qu'on ne voit pas avec les yeux, à l'œil nu. C'est l'onction et la faveur. Quand vous péchez, vous marchez dans des désordres, l'onction peut rester. Quand vous vous enfermez, vous priez, vous venez, les gens tombent, il y a des choses qui se passent. Mais il y a quelque chose qui vous a quitté, que vous ignorez, c'est la faveur. Et vous pouvez même constater ça dans la vie de chaque jour. On vous faisait des cadeaux facilement, on vous amenait des offrandes spéciales facilement, mais ça s'arrête. Et puis vous ne savez pas où est-ce que, jusqu'à quel niveau le Seigneur voulait vous amener. Vous avez arrêté, vous avez fermé un robinet. Vous avez arrêté quelque chose alors que le Seigneur voulait vous amener loin. Ceux qui ont des grands ministères n'ont pas reçu d'autres appels que les appels que nous aussi nous avons reçus. Oedepo n'a pas reçu un autre appel. Il a reçu les mêmes appels que toi. Je pensais que tu allais dire amen. Greflo Dollar n'a pas reçu un autre appel. Il a reçu les mêmes appels que toi. Du même Dieu que toi. Son Dieu n'est pas le grand frère de ton Dieu.
Son Dieu n'est pas l'oncle de ton Dieu. Son Dieu, c'est ton Dieu. C'est le même Dieu. Tel il l'a équipé, tel aussi il t'a équipé. Mais la différence entre nous et eux, c'est notre manière de gérer nos ministères. C'est pour que tu comprennes l'importance de l'éthique. On m'a raconté une histoire, je vais vous la raconter rapidement. Un pasteur de Lubumbashi arrive à Londres. Il va louer une chambre d'hôtel. Et un jour ou deux jours après, quelqu'un d'autre est arrivé. C'est Chris Oyakhilome, que vous connaissez. Le pasteur Chris arrive, le docteur Chris. Et lui, quand il vient dans un hôtel, il a l'habitude de louer sept chambres. Sa chambre, trois chambres à gauche, trois chambres à droite. Il se barricade comme ça. Et puis ses fils, ses collaborateurs viennent, ceux qui sont dans la ville en tout cas. S'il n'y a personne, ces chambres-là vont rester vides. C'est aussi le niveau et la bénédiction qu'il y a dans son ministère. Il peut se permettre, même si la nuitée dans la chambre coûte 300 $, 500 $, il peut en prendre 7. Alors, il a pris la chambre et on lui dit, pasteur, il y a un problème. La troisième chambre à droite est déjà occupée. Donc, il n'y a pas un couloir où on peut prendre cette chambre, ce n'est pas possible. Il dit, oh, mais qui est dans cette chambre-là? On dit, c'est un pasteur congolais. Il dit, un pasteur congolais. Ok, dites-lui que je vais dîner avec lui ce soir. Seulement moi et lui. Qu'il accepte mon invitation. Quand on a dit au pasteur, c'est Christ Oyakhilome. Il a dit, oh, c'est un honneur. Et le soir, ils se sont retrouvés à table. Il a fait partie de tous ses collaborateurs, il les a éloignés. Il a posé la question au pasteur. Tu sais pourquoi j'ai demandé que je mange avec toi? Parce que j'ai des questions sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Notre père nous a beaucoup parlé de votre père à vous. C'était son ami. Mais il considérait votre père comme un père pour lui. À cause de l'onction et de l'impact qu'avait son ministère. On nous a trop parlé d'Alexandre Haïdi Nabal dans nos instituts bibliques. On nous a trop parlé d'Alexandre Haïdine. Notre père nous disait, Idarosa nous disait, que lui, votre père était plus puissant que lui. Même jusqu'aujourd'hui, dans notre institut biblique là-bas, on parle toujours dans nos instituts bibliques, on parle toujours d'Alexandre. Alors, je n'ai jamais compris. Nous, nous sommes connus dans le monde. Les plus grandes églises du monde, ce sont nos églises. Nous avons des ministères les plus puissants en termes d'impact dans le monde, plus que les Américains, plus que les Européens, plus influents. Mais vous, vous avez disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre votre père et vous? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai posé la question à celui qui me racontait, c'est leur ami qui a raconté Christ. Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il me dit, il a dit qu'il n'avait pas de réponse. Je crois que le pasteur Christ est parti déçu. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Même si nous, les Congolais, nous avons beaucoup parlé, il y a des choses qu'on ne peut pas dire d'un père. Vous voyez? Parce que c'était un Nigérian, il ne dirait rien. Mais il y a des choses quand même qu'on peut dire. Comme l'éthique. Et ils ont été formés. Leur père était formé. Les nôtres n'étaient pas formés. Ça, c'est la vérité. Peut-être que dans cette salle, s'il y a vraiment des fils d'Haïdi Nabal, je suis parmi. Je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Il a prié pour moi. Je l'ai connu. On était dans son église. Je connais beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Mais parmi les choses que je peux dire, l'éthique. L'éthique. Comment organiser l'église? Comment organiser les choses? Tout ça, ça n'existait pas. Et voilà les résultats là où nous sommes. Voilà l'écart qu'il y a entre nous et les Nigériens. Voilà là où ils sont arrivés. Et voilà là où nous nous sommes restés. C'est à cause de l'éthique notamment. Même le fils d'Haïdi Nabal qui est en Angola est plus avancé que ceux qui sont ici. Lutumba est plus avancé que nous tous qui sommes restés ici. Mais c'est un fils d'Haïdi Nabal qui s'est converti ici, qui a servi le Seigneur ici. Pourquoi nous, nos ministères n'évoluent pas? J'aimerais dire que ce n'est pas seulement une affaire de péché.
Au Nigeria aussi, on pêche. Ce n'est pas une affaire de divorce seulement. Ou parce que les gens ont divorcé. Non. Là-bas aussi, on divorce. Et puis, parfois, c'est le suivi qui s'est fait autour de l'homme de Dieu, l'encadrement. Il y a des gens qui ont divorcé, qui ne devaient pas divorcer. On pouvait sauver ces mariages-là. Un grand du Nigeria, je ne vais pas les citer, sortait avec une fille. Il sortait avec une fille et les anciens, quand j'ai dit les anciens, c'est-à-dire les autres pasteurs, ses collègues ont appris ça. Les fils aussi ont appris. Les collègues se sont tués. Les fils qui avaient appris, quand je dis des fils, c'est-à-dire des responsables d'église, comme King Sam, comme ça, des responsables d'église. Quand ils ont appris cette histoire-là. Ils sont allés voir la fille. Ils ont associé quelques vieux. Ils sont allés voir la fille. Ils ont pris rendez-vous avec la fille. La fille était étonnée de voir une délégation des serviteurs de Dieu, des éminents, qu'elle voit à la télé, entrer chez ses parents. La fille habitait encore chez ses parents. Ces gens-là entrent, ils disent aux parents, nous voulons parler avec la sœur. Il y a un problème. Non, 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 on veut s'entretenir avec la sœur. Comme il y a beaucoup de respect au Nigeria pour les hommes de Dieu, ils sont entrés dans les salons, ils ont fermé toutes les portes, ils ont dit à la sœur, nous sommes au courant. Je sais ce qui se passe entre toi et notre père. Voilà ce qu'on va faire. On te propose autant d'argent. Voilà les billets d'avion. Voilà les avantages. Il faut que tu quittes le Nigeria cette semaine. On t'envoie en Angleterre. Coupe tous les contacts, jette les numéros de téléphone que tu as, donne-nous ta cible. Coupe tout et disparaît. Est-ce qu'on peut faire ça ici? L'amour, peut-être. L'amour n'existe plus. Mais vous savez, il y a certaines choses, même quand on a l'amour, si on ne comprend pas toute cette science-là, toute cette sagesse, si on ne la comprend pas, on détruit les ministères. Ces jeunes ici viennent de sauver le ministère de leur aîné. L'aîné a constaté seulement quand il appelle la fille, ça ne passe plus. Quand il appelle, ça ne passe plus. Deux jours. 3 jours, 4 jours, hors périmètre cellulaire. Après, ils sont allés voir les vieux. Il leur dit, laisse tomber cette histoire-là. Elle ne recevra plus ton appel. C'est nous qui avons fait ça. Mais comment vous avez fait? D'abord, comment vous êtes au courant? Non, on est au courant. Ça allait se savoir. Vieux, tu commençais à devenir... Tu étais déjà parti, papa. Vous savez, l'amour rend dingue. On perd les pédales. Il dit, papa, tu étais en train de partir. On devait te sauver. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était faire disparaître. Elle est où? Non, on ne te dira jamais. Il faut que tu arranges. Il faut que tu rentres un peu en toi-même. Il faut que tu retournes un peu dans ton foyer. Hein, que tu restaures un peu ton amitié avec ta femme. Hein. Arrange un peu là-bas. Cette histoire-là, c'est terminé. Oublie ça. C'est terminé. Regarde, nous, tes fils, nous sommes au courant des choses comme ça, papa. Papa ou maman, à toi, il y a un robonga. Non, accompagne-moi, bongo. Robonga. Ozonga nanzela. Mais vous voyez, ces gens-là, tous ces fils-là, c'est parce qu'ils ont appris l'éthique, ils connaissent l'éthique. Les règles d'éthique interdisent à ce qu'on marche sur les cadavres des aînés. Quand quelqu'un t'a béni même une seule fois, lorsque son onction t'a béni même une seule fois, tu ne peux jamais combattre cette personne-là. Tu ne peux jamais parler contre cette personne parce que tu combats l'onction qui est descendue sur toi. Tu combats l'onction qui bénit ton ministère parce que cette onction-là criera contre toi-même. C'est comme ça que nos ministères se meurent, nos ministères n'avancent plus. Parce que les gens se combattent eux-mêmes sans comprendre qu'ils se combattent eux-mêmes. Il y a des principes qu'on néglige, des principes qu'on combat soi-même. Donc, il y a l'éthique de l'autorité supérieure. Dans l'éthique de l'autorité supérieure, c'est comment se conduire soi-même lorsqu'on est responsable d'église. Il y a aussi des règles par rapport à sa position, des règles qu'il faut respecter. Il y a une façon de parler aux assistants. Il y a une façon de parler à la congrégation. Il y a une façon de parler avec ses collaborateurs. Il y a aussi une façon de punir. Il y a aussi une façon de gérer l'église.
Je ne saurais pas citer toutes ces règles, il y en a beaucoup, mais il y a une façon de faire les choses. Aujourd'hui, on croit, ceux qui étudient l'Église ou la vie de l'Église, pensent que 40% des problèmes, non, qu'est-ce que je vais dire, 40% des séparations, des mauvaises séparations qu'il y a eu entre un leader et ses assistants ou ses collaborateurs, dans les 100% des problèmes qu'il y a eu, 40% c'est de la responsabilité des autorités supérieures, c'est des leaders numéro 1. Et 40% des responsabilités, c'est pour les assistants. Et les 20% qui restent, c'est partagé. Mais comment est-ce qu'on en arrive à se faire du mal? C'est parce qu'on ne respecte pas certaines règles. Toutes ces règles d'éthique ont une incidence avec la faveur ou avec la bénédiction. Vous ne respectez pas certains principes, ça vous détruit vous-même. Ça détruit votre propre ministère. Savoir, par exemple, faire savoir, et dans la conduite, et dans les parler, et dans la vie de chaque jour, que c'est vous la tête. C'est vous la tête. Je vois parfois les gens commencer des ministères ou des églises à deux, à trois. Un ministère, on ne le commence pas à deux, à trois. Même une église, on ne la commence pas à deux, à trois. Vous aurez des problèmes dans la suite. Parce qu'il doit y avoir un seul responsable. Il doit y avoir une tête. Ça, c'est une règle d'éthique qu'il faut savoir. Quand vous avez appris ça, vous ne ferez pas ce genre d'erreur. Vous commencez l'église, non, il n'y a tout pas d'église. Vous commencez, on ne sait pas qui est la tête. C'est ton ami. On ne commence pas une église avec un ami. C'est bizarre. Hein? C'est ça. On ne commence pas une église avec un ami. Un jour, un de mes amis m'a dit, j'aimerais venir travailler avec toi. Je lui ai dit, il va se poser un grand problème. Soit on va détruire le ministère ou l'église, soit on va détruire notre amitié. On est amis depuis qu'on est à l'école secondaire. On sera obligé de détruire l'une de ces deux choses. C'est trop compliqué. Il a dit, ah, comment ça? J'ai dit, bon, va discuter avec madame, allez réfléchir et puis on va se revoir. Et sa femme a compris facilement. Quand il a parlé avec sa femme a dit, mais ton ami a raison. Ton ami a raison. Vous ne pouvez pas être en même temps ami et que toi tu sois l'un de ces pasteurs assistants. Vous devez détruire l'une de ces deux choses. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Quelqu'un peut dire, non, je serai capable, je vais me soumettre à toi, je serai en dessous de toi. Toi, tu seras mon responsable. Mais à d'autres moments, il va se rappeler que tu es son ami. À d'autres moments, il va se rappeler, même s'il ne le dit pas. Mais quelqu'un va vous le rappeler. Quand vous serez à deux, quelqu'un va vous le rappeler. Un ancien collègue à vous deux va vous le rappeler. Et c'est trop compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là par rapport à l'éthique de l'autorité supérieure. Je prends l'éthique des assistants. Il y a une façon de se conduire lorsqu'on est assistant. On est collaborateur, comme on aime dire à Kinshasa. Collaborateur d'un pasteur, d'un prophète, d'un homme de Dieu. Vous travaillez avec lui. Vous êtes l'un de ses collaborateurs. Vous êtes l'un de ses assistants. Il y a une manière de se comporter pour des fils fidèles ou des collaborateurs fidèles. Il y a une manière de se comporter. Par exemple, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas prendre la parole. On ne peut pas vous donner la parole pour prêcher sans que vous puissiez citer le nom de votre responsable ou de votre père. Un fils normal ne peut pas parler sans citer le nom de son père. Tu prends la parole, tu prêches du début à la fin, tu n'as pas cité ton père, tu ne lui as même pas dit merci du fait qu'on t'a donné l'opportunité de parler, c'est un privilège. Et puis, tu ne fais même pas remarquer aux fidèles que le fait que je prêche comme ça, ou le fait que je fais très bien ce travail, parce que les gens acclament, les gens t'applaudissent et tout ça, tu ne le fais même pas remarquer que cette gloire ici, je n'en suis pas digne. Si je peux parler comme ça, c'est à cause de cet homme. C'est à cause de ce père qui est là. Un assistant normal qui a suivi des cours d'éthique, il doit tout faire pour que ces applaudissements-là reviennent à celui-là. Parce que c'est lui, en fait, c'est comme si le responsable de l'église a un marché de peinture. Imaginons qu'il soit peintre. Le marché de peinture, c'est lui. C'est lui qui a gagné le marché.
Vous, vous êtes le peintre qui l'accompagne. Même devant Dieu, ce n'est pas vous qui allez répondre de la charge des troupeaux ou des brebis, c'est lui qui va répondre. Donc vous, vous l'accompagnez. Si vous nourrissez bien le troupeau, si vous, vous mettez bien la peinture, ce n'est pas vous qu'on va venir féliciter, c'est lui qu'on va féliciter. Si même la personne, votre client, veut faire un bonus pour dire non, 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 le travail a été tellement bien fait que je vous ajoute quelque chose, ce n'est pas à toi qu'on va donner ce bonus-là, c'est à lui. Alors, il n'y a que dans les ministères qu'on ne reconnaît pas ces choses-là. Et pourtant, c'est la logique. Alors, beaucoup de gens se sont séparés de leur père, de leur mentor, de leur responsable, simplement parce qu'ils manquaient d'éthique. Et ils se sont même parfois mal séparés. Et pourtant, il y a une éthique aussi pour les démissions et les départs. Comment est-ce que ça doit s'organiser quand on veut partir? Comment est-ce que le responsable numéro un doit organiser les choses? Parce que ce n'est pas l'assistant qui organise les départs, mais c'est le responsable qui organise les départs. Et ça s'organise ensemble. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous devez sincèrement admirer votre supérieur. Et voilà une chose très importante, et c'est aussi un signe pour reconnaître un mauvais assistant. Vous ne devez pas être, devenir ou être un receveur de plaintes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours auprès de vous qu'on vient accuser. C'est toujours auprès de vous qu'on vient se plaindre sur le responsable numéro un. Et quand on vous pose la question, mais comment les gens viennent te voir toujours toi, quand il faut se plaindre du numéro un? Oh non, parce que moi je suis accessible. Non. Tu n'es pas accessible, tu es un Absalom. Oui. C'est ce que Absalom faisait. Absalom a combattu son propre père David. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait sur la route, au coin des rues. Quand les gens venaient pour aller recevoir ou solliciter les jugements du roi, il les appelait. Il dit, ton problème c'est quoi? Non, mon problème c'est ça, ça, ça. J'ai un problème avec tel. On se dispute les champs, tout ça. Il dit, ah, si moi Absalom, j'étais roi, je t'aurais fait justice. Mais malheureusement, je ne suis pas le roi. Je connais ces gens-là. Vas-y quand même. Mais certainement qu'ils ne vont pas vraiment. Ils ne vont pas t'aider. Mais si moi, Absalom, j'étais roi. C'est ça l'attitude des Absalom. Ils sont comme ça dans l'église. Ils font passer un certain message aux fidèles. Non, si j'étais là. Si c'est moi qui étais là. De manière sournoise, de manière subtile. Il faut passer ces messages-là. Des Absalom. Ne sois pas un Absalom. Ça ne bénit pas. Ça arrache la bénédiction. Ça arrache la faveur. Il y a des gens qui opéraient dans une certaine dimension lorsqu'ils étaient avec leur père. Avec leur père. Dans leurs églises. Ils étaient appréciés. Ils prêchaient bien. Ils faisaient des bonnes choses. Dieu les utilisait même dans les miracles. Comme leur père. Ces voyants utilisés, ils ont voulu se comparer à leur père, ils sont partis. Aujourd'hui, les miracles qui les accompagnaient dans la maison de leur père ne les accompagnent plus. Parce que ce n'était pas ton onction, c'était l'onction de ton père. Et toi, tu as violé l'onction de ton père. Il y a des choses qu'il faut tenir avec délicatesse. Il y a des choses qui sont très compliquées. L'onction avec laquelle tu joues là est trop compliquée. Elle va te quitter un jour. Si tu ne respectes pas certains principes. Donc voilà, par rapport à l'éthique des assistants, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, les mauvais assistants, quand un problème arrive, ils disent, ah, je savais depuis le début que ça allait finir comme ça. Je savais, je le disais, mais on ne m'écoutait pas. Tu es un mauvais assistant. Tu es un mauvais fils, un vrai fils. Lorsque quelque chose arrive à son père, il se sent touché. Autant son père est touché, autant lui aussi est touché. Et un vrai fils défend son père. Quels que soient les problèmes, il couvre la nudité de son père. Et déjà, les raisons pour lesquelles les gens quittent les églises, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on doit quitter l'église. On ne peut quitter l'église que pour trois raisons principales. L'ordre de Dieu, Dieu te parle, te dit, quitte là. Et tu dois être sûr que c'est vraiment Dieu. Là encore, ce n'est pas sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut être sûr. Parce que souvent les gens disent, Dieu m'a dit, est-ce que Dieu t'a dit? Deuxième raison, ça doit être une déviation majeure. Quand je parle de la déviation morale,
C'est, vous ne comprenez plus les pasteurs. Il vit une vie qu'on ne comprend pas. Mais c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme. Mais comment aujourd'hui, il va même dans des bars, il se met sur la place publique, il fait des choses. Et puis il dit, non seulement qu'il fait, parce qu'une déviation, ce n'est pas seulement faire, c'est aussi dire. Il croit en ce qu'il fait là. Il défend ce qu'il fait. Là, vous pouvez partir. Ou une déviation doctrinale majeure. Pas des histoires, non, que la femme prêche, que la femme ne prêche pas. Oh, notre pasteur disait que la femme ne doit pas prêcher, mais là, il a changé, il a dit que la femme prêche. Ça, ce n'est pas une déviation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voilà un peu tout ça. C'est... Alors, il y a d'autres chapitres importants dans l'éthique ministérielle. L'éthique des cultes. Comment est-ce que doit se passer un culte? Comment doit se dérouler un culte? Je ne saurais pas en parler ce matin. Je n'aurai pas le temps, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Éthique des relations avec les membres de l'Église. Je peux citer quelques petites choses ici que je vois les pasteurs de Kinshasa, pour la plupart en tout cas, ignorer. On ne fait pas de business avec un fidèle. On ne prend pas les dettes des fidèles. C'est contre l'éthique. Parce que vous allez éclabousser l'œuvre de Dieu. Par votre conduite, vous allez éclabousser l'œuvre de Dieu. Si vous faites des affaires, vous vous endettez auprès des fidèles. Les fidèles s'endettent auprès de vous. Le jour que ça ne marche pas, vous faites quoi? Vous allez au tribunal avec les fidèles? Vous pensez que toute l'église, tout le monde sera de votre côté? Mais il y a aussi des gens qui vont prendre la part de ces fidèles-là. Et vous avez amené des problèmes à l'église pour rien. Vous pouviez éviter cela. Ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres choses par rapport aux relations avec les fidèles. On ne va pas manger, la Bible nous interdit d'aller dans la maison du prochain tous les jours. On ne va pas manger chez les fidèles tous les jours, comme je vois certaines personnes le faire. On ne va pas dans les salons du fidèle, tu prends sa télécommande et tu commences à changer des chaînes à la télé. Au point que tu commences à te disputer la télécommande même avec l'enfant du fidèle. Il y a des pasteurs qui le font, qui dorment même sur le canapé. 13h, tu étais là. Il y en a même, il mange, il prend le déjeuner. Il est toujours là. Il attend maintenant le repas de midi. Vers 14h, il mange. Il est toujours là. Et le mari n'est même pas là. Tu es avec la femme d'autrui toute la journée. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi-même qui détruis ton ministère. C'est toi-même qui détruis ton église. C'est contre l'éthique. Et on voit beaucoup de gens faire ça. On voit beaucoup de gens faire ça. Et même les visites chez les fidèles ne doivent pas toujours s'improviser. Parfois, il faut appeler. Aujourd'hui, on a les téléphones, il faut appeler. Tu vas aller chez quelqu'un, tu le trouves en culotte. Il se sent gêné, il se sent mal à l'aise parce que tu es arrivé à l'improviste. Tu as trouvé la maman d'autrui avec un cinglé. Excusez-moi de le dire, sans soutien. Dès que tu arrives, ah! C'est la pagaille, on fouille dans tous les sens. On commence à appeler les enfants. Mimi, parce que tu es venu à l'improviste. Les choses évoluent. Aujourd'hui, il y a des fidèles qui n'aiment pas qu'on les visite. Si tu veux les garder dans ton église, il faut savoir comment marcher avec eux. Les choses évoluent, l'éthique aussi évolue. Et quand même, quand vous devez manger chez les fidèles, ne donnez pas l'impression que vous aviez tellement faim. Vous aviez tellement faim que vous raclez toute l'assiette. Il y a même des pasteurs qui demandent la cuillère. Donnez-moi un peu la cuillère là pour la sauce. La sauce de pondou, non. Il y a des choses que tu peux faire chez ton fils. Un ministre comme toi, hein, c'est ton protégé, c'est ton fils dans la foi. C'est un ministre de Dieu, bon. Mais pas chez n'importe quel fidèle. Tu arrives là, tu demandes une cuillère pour prendre la sauce. Parce que tu tiens à voir cette sauce-là. Tu ne veux pas la laisser. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Là, je vous donne un peu l'aperçu de ce que c'est que l'éthique ministérielle. Pour que vous puissiez comprendre que c'est très, 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 très important. N'allez pas réclamer une dette chez les fidèles. Donc déjà, il faut que la dette n'existe pas. C'est mieux. C'est mieux. Et n'allez pas non plus... Deux frères à l'église ont un problème. Ils ont fait des affaires. Moi, chez moi à l'église, j'ai dit aux gens, si jamais il y a un problème qui arrive entre vous, c'est votre faute. Parce qu'ici, vous êtes venus prier.
Vous êtes venu chercher Dieu. Et puis entre vous, la seule relation que moi je connais, c'est la relation de frères et sœurs. Je ne connais pas de relation d'amitié entre vous. Vous n'êtes pas amis. Vous venez à l'église, vous n'êtes pas des amis. Et vous n'êtes pas obligé de devenir ami de celui qui est à côté de vous. Parce que les jours qu'il y aura des problèmes, l'un de vous sera obligé de quitter l'église. Parce qu'il ne veut pas rester là où se trouve l'autre. C'est Dieu qui a perdu, c'est nous aussi qui avons perdu. Restez des frères et sœurs. Restez des frères. Moi, quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle, j'étudiais à Kimwenza. J'habitais à 2 kilomètres de là. J'allais à pied avec les amis. J'ai vu qu'il y avait des... Même dans ma classe, il y avait des gens qui étaient de la même famille, grands frères et petits frères, dans la même classe. Mais ils n'étaient pas amis, ils étaient frères. Mais ils n'étaient pas amis. Après le cours, chacun avait ses amis. Mais si tu fais la bagarre à l'un, l'autre vient. Et il vient aussi avec ses amis. Il vient défendre. Mais ils ne sont pas forcément amis, ils ne jouent pas ensemble. Mais c'est son petit frère qui l'a rattrapé. Il a peut-être refait une année, il a doublé des classes. Son petit frère l'a rattrapé. Mais il garde le respect des grands frères et petits frères. Ils sont frères, ils ne sont pas amis. Donc, il faut faire attention quand on règle certains problèmes à l'église. Bon, c'est déjà arrivé, ils ont un problème. Toi, tu vas réclamer la dette de l'un auprès de l'autre, comme si toi, tu prenais la part de l'un. Tu vas créer des problèmes. Tu violes les règles d'éthique. Un mari et sa femme ont des problèmes dans la maison. C'est là où souvent les pasteurs nous pêchons. Les problèmes, quand tu es le pasteur de tous les deux, le problème, ce n'est pas de dire qui a raison et qui a tort. Quand tu prends la part de l'un, quand c'est un conflit qui est sérieux, tu vas perdre l'autre. Ce sont des choses qui sont difficiles à gérer et il faut savoir comment gérer cela. Voilà, il y a l'éthique des rapports avec les sexes opposés. Ici, j'aimerais insister et je crois que c'est, pour moi, c'est le chapitre le plus important. C'est là où beaucoup de pasteurs congolais pêchent. Et c'est ce qui a aussi descendu notre église du Congo au niveau où il est aujourd'hui. Vous êtes pasteur, homme, votre relation ou vos relations avec les sœurs de l'église, avec les dames de l'église, ce sont des relations très délicates qu'il faut savoir gérer. Très délicates. La première chose que j'aimerais dire, dans la mesure du possible, faites tout pour ne pas passer du temps dans un endroit fermé. Souvent, nous avons des bureaux qui sont fermés. Il n'y a pas de vitres. Ça veut dire qu'on ne sait pas vous voir à l'intérieur. Vous êtes caché entre 4 murs avec une femme d'autrui ou avec une sœur. Vous faites 1 heure, vous faites 2 heures. Vous êtes dans la consultation pastorale. Vous êtes dans les counseling. C'est très dangereux. Non seulement que c'est dangereux, mais c'est contre l'éthique. Parce que pour avoir violé ces règles d'éthique-là, beaucoup de gens sont tombés. Au départ, ils ne voulaient pas tomber. Au départ, ils ne voulaient pas pécher. Mais ils ont péché simplement parce qu'ils n'ont pas su préserver ces règles-là d'éthique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autant que cela est possible, et autant que cela dépend de vous, vous êtes au volant d'une voiture ou bien vous êtes dans votre voiture, ne prenez pas les fidèles de sexe opposé ou n'importe quelle fille. Moi, quand je roule dans ma voiture, je ne prends pas une femme à côté de moi. Il n'y a que ma femme qui peut s'asseoir à côté de moi et, ou ma fille biologique. Je ne parle pas de fille spirituelle. Je ne prends pas. Si je suis seul au volant, on se rend compte, je te salue et puis je passe. Beaucoup de gens ne comprendront pas. Je m'arrange toujours pour expliquer à l'église. Si je dois te prendre, je te prends avec quelqu'un qui est à l'arrêt. Un garçon. Le garçon est devant avec moi, toi tu es derrière. Ce sont des règles d'éthique qui vont te protéger. Qui vont aussi protéger ta réputation. Vous savez, les gens nous accusent de tout et de rien. À tort et à travers, les gens nous accusent. Nous, on a commencé le ministère, on était très jeunes. Et tout le monde a peur des ministres jeunes. On dit, ces jeunes-là, toujours avec les filles, ils montent, ils descendent. Dans sa voiture, ils prennent toujours des filles. Tu as terni ton image et tu as détruit ton ministère. Il y a des gens qui viendront, dans les quartiers, il y a des gens qui ne viendront plus prier chez toi. Il y a des gens qui ne te feront pas confiance. Des jeunes couples ne te feront pas confiance. Et pourtant, peut-être que tu n'as rien fait.
Donc c'est pour se protéger soi-même, se protéger contre les péchés, protéger son ministère, protéger l'image même de son ministère. Quelqu'un m'a compris? Donc c'est très, très, très important. Donc il y a une façon de se conduire par rapport à une personne ou au fidèle du sexe opposé. Donc voilà. Éthique d'invités pastoraux, éthique par rapport aux finances, ainsi de suite. Je crois que je vais me disposer à recevoir des questions s'il y en a. Je ne pourrai pas parler de tout en une seule séance. Le cours d'éthique, c'est un cours assez abondant. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer très fort. Que Dieu soit loué. Nous louons le Seigneur. Approchez-vous pour une question, faites la synthèse en résumé s'il vous plaît, nous courons derrière le temps. Bonjour à tous, shalom, je me nomme pasteur Daniel Moussey, je suis en mission au niveau de Kasangoulou, au Congo central, et c'est depuis 5 ans que j'œuvre là-bas, mais ma lignée spirituelle c'est la chapelle des vainqueurs, mon père spirituel c'est Bishop Oedepo. Alors ma question est la suivante, si vous avez un ami dans le ministère, que depuis longtemps vous avez tissé relation et vous l'invitez à l'église, il s'est avéré que cet ami a tissé des relations avec mes enfants spirituels, et à tel point que certaines qui sont de sexe opposé vraiment ont cet attachement vers cet ami-là, et même au point de foi, certaines blagues. Alors par rapport à l'éthique, et comment remédier à cela pour qu'il n'y ait pas dérapage. C'est ça ma question. Et de deux aussi, par rapport au terrain de la mission au niveau de Kasangoulou, il y a une réalité. C'est-à-dire que les gens du milieu, quand vous n'êtes pas autochtone, vous n'êtes pas Mukongo, c'est-à-dire quelque part, ils ont plus de considération de leurs frères que ceux qui viennent de Kinshasa ou qui viennent d'ailleurs pour bâtir l'église. Alors, quelle approche dans le sens de la mission pour avoir, pour atteindre vraiment l'objectif de gagner plus de gens qui sont dans ces milieux? Et troisième question, il y a du mal par rapport aux églises de Kasango. On a remarqué, ceux qui sont autochtones ne s'engagent pas à fond par rapport à la vision. C'est-à-dire, c'est ceux qui viennent de Kinshasa qui sont plus les collaborateurs des visionnaires. C'est comme si ceux qui sont natifs de là ou ceux qui sont du coin ne s'adonne pas dans l'engagement de la vision. Alors, quelle approche avoir pour qu'ils puissent être imprégnés ou qu'ils s'engagent totalement par rapport à la mission? Ce sont les trois questions. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre aux trois questions. Si j'ai bien compris la première question, c'est votre ami. Et dans votre question, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de dérapage? Il y a déjà des dérapages. Les dérapages, c'est cette relation assez bizarre qu'il entretient avec des sœurs. Donc, c'est déjà un dérapage. Par rapport à l'éthique, c'est déjà le dérapage. Je sais que lorsque vous parlez de dérapage, vous pensez à l'impudicité. Mais déjà, ça, c'est un dérapage parce que c'est contre l'éthique. Et c'est déjà un problème. C'est déjà un péché. Ce n'est pas un péché contre Dieu, mais c'est un péché contre l'éthique. Alors, pour remédier à ça, il doit arrêter. On doit lui apprendre l'éthique. On doit lui apprendre que faire ça, avoir un tel comportement avec des sœurs, vous ne gagnez rien, vous perdez. C'est vous qui avez, vous avez tout à perdre. Il n'y a rien que vous gagnez. Les gens nous aiment toujours, vous savez.
Même si vous n'entretenez pas une relation très, très proche avec quelqu'un, hein, ça, vous ne vous voyez pas tout le temps, vous ne parlez pas tout le temps. Quand la personne vous aime, elle vous aime, c'est tout. Quand la personne vous aime, elle vous aime. Nous tous, nous sommes pasteurs là, nous avons des fidèles à l'église. On sait savoir que maman t'aime même tellement. Il y a des gens, presque, je dirais presque tout le monde à l'église en ce moment, comme je suis là, si je prends mon téléphone, j'appelle une maman. J'ai dit, maman, viens, je suis à Kitambo, je suis à tel endroit, je suis à côté de Malebo. Elle va venir ou elle ne va pas venir? Les fidèles nous aiment. Le problème, ce n'est pas... vous n'avez aucun intérêt à entretenir cette proximité-là. Vous n'avez pas besoin. Vous gagnez plus en laissant la personne loin. Vous gagnez plus. Par rapport à tous les aspects, vous gagnez plus. Même par rapport aux offrandes, parce qu'il y a des gens qui ont peur des offrandes. Il veut entretenir la personne tout près, comme ça, il est sûr qu'il aura sa prémisse, qu'il aura sa dîme, ainsi de suite. Non, gardez la personne loin de vous, et l'église gagne, le Seigneur gagne, vous aussi vous gagnez. Donc il faut lui dire qu'il y a déjà des rapages. Alors par rapport aux deux autres questions, je ne parle pas missiologie, je ne suis pas venu enseigner la missiologie, mais je peux quand même répondre. La deuxième question, c'était encore... le fait qu'on n'accepte pas ceux qui viennent d'ailleurs. C'est dans tout le Congo. C'est dans tout le Congo et c'est comme ça. Mais pour y remédier, c'est la force de frappe. Quand tu as la force de frappe, même si les gens... même si tu n'es pas de chez eux, ils auront besoin de toi. C'est la force de frappe. La puissance, l'onction, la parole profonde. Et ce sont des milieux où les gens ont trop consulté des mikouli, des gens comme ça. Il faut être fort. Si tu es fort, tu réponds à leurs besoins. Ils vont t'aimer, ils vont adhérer, ils vont croire à la parole que vous enseignez. Et ils vont s'engager. Ça répond directement à la troisième question. Ils vont aussi s'engager dans l'œuvre. Parce qu'ils ont besoin de toi. Donc, voilà. Je voulais dire quelque chose par rapport à la question qui a été posée au pasteur Kabasele. Je commence par le troisième point. Je voulais compléter une chose très importante. Il y a aussi un problème de localisation. Est-ce que là où vous exercez le ministère, c'est là où Dieu vous a envoyé? Ça, c'est un problème très majeur. Il y a deux fois, Dieu vous attend ailleurs. La mission qu'il vous a donnée, en fait, la vision qui vous est donnée, c'est pour un lieu, un territoire bien précis. Donc, il faudrait absolument avoir la révélation de la part de Dieu. Si c'est les lieux où vous êtes appelés, vous pouvez avoir un bon message, mais être à une mauvaise localisation. Ça, c'est aussi un point très important pour ajouter à ce que le pasteur a dit. Mais ouais. Je voulais compléter ce que le pasteur a dit concernant le TIC, le relation. Et je pense, comme le pasteur l'a enseigné aujourd'hui, nous devons aussi l'enseigner dans nos églises. Moi, par exemple, chez nous, on parle de la discipline. Il y a la discipline, il y a la rigueur. Donc, c'est-à-dire, il faut enseigner ces choses. Il faut les dire. Il ne faut pas avoir honte. Et quand vous voyez un frère dans une relation assez ambiguë, il faut les interpeller et leur parler avec amour et douceur. Ce n'est pas mauvais, c'est les aider. Donc, c'est-à-dire, les choses que nous n'arrivons pas à dire, ce sont des détails, comme il a dit tantôt, qui rongent, au fait, qui finissent par détruire. Donc, il faut qu'il y ait... Par exemple, nous avons instauré un système de règlement d'ordre intérieur. Donc, c'est-à-dire une façon de règle qui doit nous régir dans nos rapports. Par exemple, il y a une façon de parler au pasteur, il y a une façon de vous parler entre vous, et puis le contenu de vos conversations. Admettons que vous vous retrouvez à deux dans un endroit fermé, parce qu'on ne peut pas programmer toujours le rencontre. De quoi parlez-vous? Les contenus de vos conversations. Et je pense que si c'est un contenu qui est axé sur la parole de Dieu, sur la spiritualité, ça crée déjà, ça éloigne déjà des attractions, n'est-ce pas, qui arrivent lorsqu'on est en déraille de la parole du Seigneur. Nous sommes frères dans le Seigneur, ce qui nous lie, c'est la parole de Dieu. Quand on se voit, on parle de la parole de Dieu. Donc, on n'est pas obligé d'être amis, mais on est frères, on doit partager la parole de Dieu et prier ensemble. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Question pour un champion. Bien-aimé, comme je vous ai dit,
Nous voulons travailler dans des conférences de cette façon. Nous croyons que c'est une méthode qui permet une très bonne transmission de messages auprès de tout le monde. Sentez-vous à l'aise. Vous avez une question par rapport à l'intervention de deux intervenants. Venez, pasteur, prends cela. Approchez, prenez le micro, posez-la. Merci beaucoup pour la parole. Ma question s'adresse au pasteur Dorcas. Oui, je réponds au nom du révérend Bienvenu Misamou de l'église Centre évangélique de Binza. En fait, je voulais savoir comment le pasteur Dorcas vous argumentez ce qui est écrit dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 14 où l'apôtre parle que les femmes se taisent dans l'ensemble des saints. Mais rassurez-vous, lorsque vous voyez les éminents hommes de Dieu dans cette salle et que vous parlez de cette question, croyez que nous sommes contre ceux-là qui disent que les femmes se taisent. Parce qu'en voyant déjà l'affiche, il y avait votre visage. Et nous sommes venus, donc nous sommes d'accord avec vous. Mais je voulais savoir votre argument par rapport à ce passage biblique que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Merci. Je laisse la parole au pasteur Kabassé. Il a une femme puissante qui prêche l'évangile. Yeah. Et je crois que lorsque vous êtes accusé devant le tribunal, vous laissez votre avocat parler. Donc, il est mon avocat pour ce matin. Nous saluons également Maman Joël Kabassé, les prophétesses de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Dorcas. Mais la réponse, elle est toute simple. Parfois, on va chercher des réponses très loin. Ce passage-là est biblique. C'est la Bible qui dit ça. C'est Paul qui dit aux Corinthiens que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Mais je veux vous dire simplement que c'était une affaire de bienséance. C'est une affaire culturelle. Mais aussi d'éthique, hein, mon. Oui, quand c'est culturel, c'est pourquoi pasteur Dorcas a dit que je dois répondre à cette question. Donc, c'est une question de bienséance. Et à l'époque, c'était une question d'éthique, comme dit le prophète. C'est-à-dire, il n'était pas permis à une femme, dans la maison, de parler là où les hommes parlent. Mais comment, dans l'assemblée, tu vas parler? Parce qu'à la maison, tu ne peux pas parler. Quand ton mari reçoit son ami ou des amis, hommes, ils sont en train de parler au salon. Toi, la femme, tu ne peux pas venir parler. Tu ne peux pas manger avec eux. S'il y a une cuisine là-bas, tu manges dans la cuisine. Mais comment ici tu vas parler? Comment dans l'assemblée tu vas parler? C'était une question de bienséance. Vous voyez? Et ça, quand les gens posent cette question, parfois les gens oublient aussi que dans leur propre Bible là, il est aussi dit que les esclaves respectent leur maître. Est-ce que vous avez des esclaves aujourd'hui? Je pose la question à l'Assemblée. Est-ce que vous avez des esclaves aujourd'hui? Mais la Bible le dit. Est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord avec l'esclavage? Ça veut dire que la Bible recommande l'esclavage? Ça veut dire que même quand les Nations Unies, toutes les nations du monde et notre pays ont légiféré, ont fabriquer des lois pour combattre l'esclavage. Nous devons, nous, à l'église, dire que l'esclavage est biblique. Mais comme le contexte était le contexte de l'esclavage, l'apôtre Paul a placé des règles. Voilà comment les maîtres doivent traiter leurs esclaves. Vous aussi, esclaves, lorsque vous avez votre Seigneur, respectez-les, honorez-les comme vous honorez le Seigneur Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que ça vous donne le droit aujourd'hui de les faire en cachette contre les lois de la République, avoir des esclaves? Vous les faites, on vous arrête, vous irez en prison. Vous n'allez pas dire que c'est biblique. C'est la même chose avec cette histoire des femmes. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un serviteur ou qui que ce soit, et je mets tout le monde à défi, qui peut venir me dire, la servante de Dieu a dit, Dieu, Jésus lui est apparu. Toi aussi viens me dire comment Jésus t'est apparu et t'a dit, ne laisse jamais la femme prêcher. Vous connaissez quelqu'un qui a eu cette visitation-là? Je ne crois pas.
Si toi tu as eu la visitation où Dieu, le Dieu de la Bible, t'a dit, tu ne dois jamais laisser une femme travailler. Alors là, je serais tellement étonné. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit, Dieu m'a dit. Non. Parce que Dieu ne descend pas jusqu'à ce niveau-là. Dieu ne descend pas jusqu'à ce niveau-là. Non, il ne descend pas jusqu'à ce niveau-là. L'esprit que Dieu a mis en toi, c'est le même esprit qu'il a mis dans la femme. Et après cette vie sur la terre, il n'y aura ni homme ni femme. Je crois que dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme, de la même manière qu'il n'y a ni juif ni grec. Amen. La femme travaille. Moi, ma femme, comme on l'a dit ici, ma femme, plusieurs la connaissent. Elle travaille parfois plus que moi. Elle serait venue avec moi ce matin, mais elle sort d'une retraite de 12 jours. Elle a fait 12 jours dans son bureau sans manger. Elle ne faisait que boire de l'eau. Vous pensez que Dieu ne l'a pas écouté? Vous pensez que le travail qu'elle a fait, parce qu'elle avait séminaire en même temps, Dieu n'a pas béni les gens, Dieu n'a pas impacté les gens? Et dans cette ville, il y a des gens qui la connaissent, qui ne me connaissent pas. Il y a des gens qui la connaissent et qui me connaissent aussi, mais séparément, ne savent pas qu'on est mariés. Parce qu'elle a impacté de sa manière. Et quand elle travaille, parfois ses résultats sont probants. Non, probants, oui. Mais je veux dire épatants. Il y a des gens qui l'appellent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de partout. Il y a une femme malienne, elle va peut-être me suivre, qui s'est convertie au Mali, musulmane. Elle s'est convertie avec la prédication de ma femme. Si j'avais dit, non, comme toi tu es femme, tais-toi, je vais travailler seul. Est-ce qu'on aurait combiné, on aurait additionné ces résultats-là? C'est le Seigneur qui allait perdre, c'est le royaume qui allait perdre. Donc ça c'est une fausse question. Boss, travail. Yes, amen. Je voulais ajouter un point. Si vous avez une autre question, heureusement ce n'est pas un débat, c'est lui qui a posé cette question. Crois au ministère de la femme, il l'a bien dit. Merci pasteur. Mais je voulais dire une chose là-dessus. Que la femme se taise n'a rien à voir avec que la femme ne prêche pas. Que la femme se taise, c'est une bienséance, comme le dit le pasteur, dans le cadre des disciplines, de l'ordre, pour éviter tout excès. Mais nous avons, heureusement, nous avons les patriarches, il y a les docteurs. Ils veulent revenir sur cette question avec respect. Nous allons acclamer très fort d'abord pour les patriarches. Merci, prophète. Merci, révérend. Merci, oint de Dieu. J'ai un petit point pour compléter les éminents orateurs. Avec beaucoup de respect et de considération. La première difficulté, c'est la distance linguistique dans l'interprétation du texte. Quand nous prenons cet épître-là dans sa pensée exégétique, là on a mis le verbe « se taire » et le verbe « prêcher », on n'a pas la même origine étymologique. À titre exemplatif, vous allez voir que là où Paul permet que la femme en prophétisant puisse se couvrir, c'est encore un problème, je crois que cette question viendra encore. Il y a simplement éphémie sur ce verset-là ou ce verbe-là. Quand vous revenez maintenant, problème de prêcher, on vous parle d'évangélisomao. Donc, à partir de ces étymologies bibliques, il y a maintenant un troisième aspect purement archéologique et culturel. La manière que nous sommes en train de nous réunir dans la salle, ce n'est pas la manière que les chrétiens, autant que Paul a écrit aux Corinthiens, restaient dans leur salle. Comme c'était juste proche de la pensée judaïque et de la pensée païenne, des gentils, on avait la symbiose. Et par rapport au charisme que Dieu a donné à l'église de Corinthe, Dieu n'a pas fait exception de sexe ni d'homme ni de femme. Il a donné tel qu'elle voulait, à chacun et à chacune. Maintenant, le problème s'est posé par rapport aux difficultés culturelles. Ils avaient l'air d'ailleurs ce qu'on appelait Epaphrodito, qui était une femme. Donc, toute fois que les gens vivaient, c'était ces femmes-là qu'on devrait beaucoup respecter à cause de l'air d'ailleurs. Maintenant, cette grande prêtresse dans leur culture avait 1000 prêtresses qui n'adoraient pas le Dieu vivant, mais qui préparaient une salle qui était vide
où chacune d'elles allait chercher un homme pour venir commettre les bêtises que la révérende vient de dire maintenant, que je ne vais pas citer, qu'on appelle Pornéa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens entrent dans cette ambiance-là, on ne condamne personne, c'était contraire à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, car à leur époque même, le recueil normatif, la Sainte Bible, n'a pas encore été fait dans sa collection totale. C'est comme ça que Paul, en voyant la lettre à ces gens-là, pour mettre fin à ces désordres dans l'enceinte de la salle, n'a rien à voir avec la prédication. C'était simplement la manière qu'ils se mettaient. On adoptait légèrement la tradition juive. Devant proches comme les éminents orateurs sont assis, sont les hommes qui sont un peu proches de ces orateurs. Après, ce sont les mamans ou les dames ou les femmes, comme on peut les appeler avec beaucoup de respect. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Toutefois qu'on parle, comme le révérend nous a permis de poser la question, au lieu que la prophétesse puisse attendre, aller demander au prophète, commence à crier. Est-ce qu'il est prophète Élie? Donc, parce qu'elle avait le monopole dans le foyer par rapport à la déesse Épaphrodite de leur villa, la femme avait la prépondérance dans la maison. Se servant de cette même autorité-là extérieure, elle parlait sans se gêner. Nous sommes où? On est dans quel contexte? C'est ainsi pour leur a dit. J'ai dit à la femme qu'elle fasse quoi? Qu'elle se taise. Donc, ça n'a rien à voir avec la prédication. Magnifique. Pasteur. Wow. Patriarche, ça n'a rien à voir. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, prophète. Oui. On dit que même un condamné à mort, on ne peut pas le laisser mourir sans dire un mot. Avant qu'on enterre le sujet, j'aimerais quand même qu'on rentre dans la Bible. C'est dans les livres de Joël chapitre 2, au verset 29. Oui. Et ce texte est revenu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en yes. ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Uh-huh. Et la Bible continue, Jésus dit à ses disciples, l'Esprit Saint surviendra sur vous. Et le jour où l'Esprit est survenu, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et il dit, vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que si l'Esprit descendra sur le serviteur et sur le servante, avec pour mission d'annoncer l'évangile. Donc, la femme peut prêcher. Amen. Alléluia. Nous saluons la sagesse et la connaissance des patriarches. Voilà. On a les patriarches. Là, Abraham l'a provoqué. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce qui nous est utile, ayons l'humilité. Même... vous avez été déjà vraiment condamné pour enterrer, mais on vous avait déjà ressuscité et vous avez maintenant changé même les revêtements. Il y a un élément, le passage de Joël, quand on suit les cours d'herméneutique, dans la tradition des versions bibliques, on n'a pas commencé même sur mes servantes et sur mes serviteurs, on a commencé par mes servantes. Donc j'aimerais démontrer aux hommes qu'il y a des problèmes où nous nous chamaillons, comme le révérend l'a dit. J'ai compris, Dieu a voulu que je fuis rapidement l'embouteillage pour ne pas manquer des leçons très importantes. Donc vous avez raison et nous avons vraiment intérêt de ne pas perdre le temps sur ce qui ne fait même pas partie de la doctrine et ce qui peut, si on ne comprend pas bien, ça peut détruire aussi notre éthique. Et deuxièmement, vous avez parlé des témoins, on l'appelle Martitia. Martis, c'est-à-dire celui qui a vu, qui a entendu et qu'on a responsabilisé. Donc, c'est-à-dire que ces trois prérogatives-là sont chez l'homme, sont aussi chez la femme. À ne pas confondre aussi avec nos relations conjugales. Et même avec les relations conjugales, il y a des milieux où la manière que chaque homme traite sa femme, ce n'est pas la manière que l'autre la traite dans sa maison. Donc, je crois qu'on a encore besoin d'avoir élévation, d'illumination en illumination. Je laisse la préscience au Saint-Esprit. Conférence des évolués, évoluons. Amen. On doit vraiment évoluer. Que Dieu soit loué pour cette question qui a été posée. Il y a une sous-question par rapport à ça. Le ministère de la femme. Est-ce qu'on peut avoir une femme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur? Je la réserve au patriarche, au docteur, lors de leur intervention. Et on aura l'éclairage là-dessus. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur. Y a-t-il une autre question? Question? Il n'y a pas une femme qui pose une question. On vient de vous sauver, femme. Où sont-elles les femmes? Oh là là, merci.
de l'X rapidement. Ça sera la dernière question pour cette séance, excusez-moi. Il y a plusieurs questions, je sais. On y reviendra au fur et à mesure. Je rappelle qu'il y a une plénière ce soir. Demain matin, nous continuons. Ne venons pas à ce nombre. Invitons nos amis, le pasteur, les prophètes. Invitons-les pour cette conférence des évolués. Oui, Delix. Shalom, bonjour. C'est Delix Kabouya, je suis prophète. J'ai une question pour le pasteur Timothée. Ma question sera basée dans Jean 4, où on parle de la femme samaritaine que Jésus a approchée. Quand vous suivez ce texte, vous avez comme impression que Jésus s'est approché de la femme samaritaine malgré la barrière ou la loi qui interdisait à cette femme, aux juifs et aux samaritains d'être ensemble. Alors ma question est beaucoup plus sur la manière dont certaines personnes traitent les serviteurs de Dieu. En disant par exemple, nous sommes beaucoup plus orgueilleux, nous sommes beaucoup plus à notre coin, nous refusons d'aller vers les autres. Pourtant, Jésus, sa mission était d'aller vers les autres. Nous le voyons aussi dans ce texte, Jésus quitte et va vers la femme pour lui demander de l'eau, où dans la Bible, on n'a jamais mentionné qu'il a bu l'eau en question qu'il avait demandé. Pour certains théologiens, ils disent il a créé une raison pour s'approcher de cette dame, pour l'apporter les saluts, mais après l'eau, Jésus ne l'a jamais prise. C'est une question qui vient pour avoir de l'éclaircissement sur comment nous devons nous comporter, malgré ce que vous avez dit, le critère, le caractère, beaucoup plus, ce caractère est beaucoup vu comme de l'orgueil, de tous les mots que vous pouvez prendre dans l'orgueil, vous pouvez le prendre, mais ce caractère est beaucoup critiqué par les fidèles de nos églises. Et ma question est de savoir comment nous devons nous comporter tout en ayant ce caractère-là, mais aussi le caractère d'approche, aussi pour apporter les saluts au peuple de Dieu. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas dit qu'il faut être loin des femmes, mais j'ai dit qu'il faut réguler cette proximité. Vous pouvez être proche de quelqu'un, vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez transformer la vie de quelqu'un sans qu'on vous voie vous promener avec cette personne partout en route, sans que vous ne soyez tous les jours dans son salon, sans même que vous puissiez la recevoir tous les jours où il y a culte. Vous pouvez ne pas la recevoir dans votre bureau, mais ce que vous avez enseigné dans l'église là, c'est suffisant. Vous avez enseigné de manière à ce que, même si tout le monde ne vient pas vous voir, mais est béni, suffisamment béni, et sa vie se transforme. Vous pouvez même résoudre des problèmes dans son foyer. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec tout ce qu'on a comme moyen, il y a moyen de parler avec les gens à des bonnes heures. Parce que l'éthique aussi va te demander à ce moment-là de ne pas écrire à la femme d'autrui au-delà de 21h, par exemple. Vous n'allez pas vous mettre à vous écrire le jour que son mari voit le message. Mais avec qui est-ce que tu parles tardivement comme ça? Donc, il y a toute une éthique autour de cela. Donc, il ne s'agit pas de s'éloigner des gens. Il ne s'agit même pas d'avoir une attitude d'orgueil ou qu'on pourrait qualifier d'orgueil. Même pas. Et d'ailleurs, moi, je pense que un pasteur normal, si les fidèles croient en lui, si les brebis croient en lui et qu'il est une source d'inspiration pour les gens qui croient en lui, toutes ces personnes-là ne peuvent pas dire que notre pasteur est orgueilleux. Parce que si le pasteur était orgueilleux, il ne serait pas là. Il ne serait pas là. Donc, je crois que par contre, moi, je peux aller plus loin. Je peux dire qu'il y a des choses, des vraies questions, c'est peut-être notre relation avec les mondains. Pas avec les dames. Avec les dames, il n'y a pas tellement de problèmes. Il suffit juste d'être sage, se comporter sagement. Mais avec les mondains, c'est plutôt là où ça pose un problème. Vous êtes serviteur de Dieu, on vous voit sur une photo avec Fali et Poupa. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il faisait avec Fali? Ce sont là les vraies questions. Et culturellement parlant, et par rapport à l'âge de notre église, l'église du Congo, on n'est pas encore arrivé au niveau d'accepter ce genre de choses. Les fidèles n'accepteront pas. Même si tu t'expliques, ils n'accepteront pas. Donc ce sont des choses que Jésus déjà en son temps a fait. Parce que Jésus pouvait aller chez Simon le lépreux. Jésus pouvait entrer dans la maison des Zachée. Et ça lui a créé aussi des problèmes. On l'a taxé de l'ami des mondains, l'ami des péagers et des autres. Donc ça posait des problèmes à cette époque
Aujourd'hui, dans notre société est un peu comme une société antique, ça pose aussi des problèmes. Dans certains pays, ça ne pose pas de problèmes. Mais chez nous, comme on est un peu comme une société antique, ça pose des problèmes. Il faut savoir maintenant comment gérer ça. Vous n'allez pas vous foutre de ce que les gens, et vous en foutre plutôt, excusez-moi, de ce que les gens pensent. Vous pouvez approcher certaines personnes, mais les faire avec sagesse. S'il vous plaît, je voulais ajouter quelque chose à ce que le pasteur a dit.